Et j'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo en compagnie de Yacine. Yo. Aujourd'hui les gars, grosse vidéo. Regardez, en plus il pleut, on va se lancer grave des défis. Moi, on doit garder la main sur la moto. D'ailleurs ça commence là, garde la main sur la moto. On est d'abord avec Younes, arrête de l'oublier. Ah oui, on est avec l'esclave. Salam la famille, ils m'ont dit de tout balayer avant de commencer la vidéo. Je suis vraiment un esclave, mais c'est moi qui vais gagner cette vidéo. Il y a un cadeau exceptionnel à gagner. Le dernier qui met la main sur la moto, c'est parti et on va lancer des défis. Ça doit être ça. Allez, balaye ça, l'esclave. Les gars, on va pas rester comme ça pendant une heure, on va se lancer des défis comme ça. Il y en a, il va sortir de la moto et c'est moi, je vais gagner. J'avoue, si on fait en mode le dernier qui lâche la main de la moto, c'est sûr, on va jamais arrêter parce qu'on est des rats. Oui. Du coup, on va se lancer des défis, la famille, et comme ça, il y aura des éliminés, ça va être carré. La place, laisse-moi de la place. Non, j'ai le droit de m'asseoir comme ça, t'es sûr que toi. Hagrid, laisse-lui de la place. C'est pas tranquille, tu vas me faire décoller ma main. Eh, mais t'es sûr que c'est toi qui va gagner la vidéo. Vas-y, bah, je vais te lancer le premier défi, c'est parti. Premier défi, les gars, je vais teindre son pull et s'il si craque, il veut me défoncer, il va devoir enlever sa main, sinon il va pouvoir rester en course pour la moto. T'es prêt? Enlève ta main! Enlève ta main alors! Vidéo, c'est pas ça. Je fais ce que je veux, enlève ta main alors! Wesh, 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 wesh! Mais pardon, pardon! Voilà! Mais vraiment, arrête, okay. Ça gros rat! Mais mon voilà. Pull, il est tout neuf! Un petit dégradé de bleu! La Adidas, frère! Ouais, mais il est trop blanc! Au moins, je fais un truc stylé au moins! T'es en train de faire n'importe quoi là, je pourrais plus le mettre! Ah. Attendez, moi aussi je veux participer à cette symphonie! Qu'est-ce que tu racontes, frère? Eh, on fait sur ton maillot? Alors, je vais marquer Mimi la boss. R. J'abandonne pas! Arrête de bouger! Et M, voilà. Défi réussi pour Younes, félicitations. Vous avez voulu me piéger, à mon tour de proposer un défi. Yacine, aller sur le terrain de foot qu'on a professionnel, va faire des gestes techniques de 1 à 5 étoiles. Si tu rates un seul geste, tu sors, tu dégages. Oh. Premier geste, 1 étoile, Yacine, tu vas devoir t'asseoir et faire 15 jongles assis. Et moi, ça, c'est 1 étoile. Hey, c'est moi, je vais dire si ça compte ou pas. Oh, Myriam, sois exigeante, faut qu'il sorte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Oh, j'ai chaud. Deuxième geste à 2 étoiles, tour du monde. Normalement, c'est facile, c'est que 2 étoiles. Okay. Va-t-il réussir à faire le tour du monde? T'as pas besoin de faire plus de 10 ongles. Bien sûr que je vais réussir à faire le tour du monde. Pour le troisième étoile, tu vas devoir faire un soleil à Myriam en 1v1. Tu sais très bien c'est quoi un soleil. C'est le geste 3 étoiles. Et si je le passe, si ça compte pas? Si tu l'arrêtes, c'est mort pour lui, c'est finito pipo. Allez, Yacine, geste 3 étoiles, va-t-il réussir à le faire? Oh, c'est validé! Oh, le gros rat! Oh, le gros rat! Lui, il commence à mettre des trucs durs, là. Tu lui as mis 3 étoiles, c'est un truc de bébé, ça. 4 étoiles. Tu vas sortir à ce geste-là. Tu vas devoir faire le double tour du monde. Le double tour du monde! Vas-y, tiens-moi ça! Vous savez quoi, s'il perd, j'expose son téléphone contre le carrelage. Oh! Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait un vieux. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait il est à l'hôpital psychiatrique. Attention, je vais lâcher le téléphone, je vais lâcher. Il a réussi! Il a réussi, Myriam! Comment t'as fait? Tu t'appelles Ronaldo? Je m'appelle Yacine. Code Familia. C'est moi le meilleur joueur de foot de la famille. Tu veux jouer à ça? Ouais, je veux jouer à ça. En un essai pour le geste 5 étoiles, tu vas devoir faire l'AK 3000. Non, l'AK 3000, tu sais très bien de quel geste je parle. Et si pas, je tends ton téléphone en bleu, plus je l'explose contre la moto. Mais c'est pas du jeu, ça n'a pas le droit par contre. Si, 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 si. Elle est malade, je vais l'attendre. C'est une blague! C'est une blague! Et est validé! Il a sorti qui là? C'est pas Yacine! Sors du corps de Yacine! Sors du corps de Yacine! Je savais, Ronaldo, la préposition de son corps. Eh les gars, pour le troisième défi, vous savez qu'on a un pistolet à paintball? Oui, on va pas se tirer dessus quand même. Non. Tout le monde va tirer sur une cible. Celui qui rate, il sort. Tu sors. Super fort à Fortnite. Non, pas Fortnite. À Call of Duty. Mais tous vous êtes, hein. Mais c'est quoi le rapport? En plus, le pistolet, c'est pas du tout comme Call of Duty. Hein. Il a enlevé sa main, il a perdu! Mais c'est toi qui as dit! Non, je rigole. Oh, le paintball est là, la famille. Wow. Alors ça, je vous explique. C'est un pistolet paintball. Paintball. Faut seulement l'utiliser à la maison ou dans un terrain de paintball. Paintball. Ça peut t'enlever un œil, c'est ça. Un œil, tête de l'œil. Regardez les recharges. Mais attends, on a deux coups chacun en vrai. On enlève la sécurité. On enlève ça et vous voyez ces petites billes de peinture. Et bah, elles vont finir sur ta tête. Non, je rigole. Pas dessus parce que ça fait grave mal et on l'a juste fait une fois avec Yacine. Et je peux dire que ça fait très très mal. L'objectif, c'est de viser. Tu vois le rond rouge là-bas là? Eh, mais attends, par contre, c'est rien, si on vise pas le rond rouge, on peut viser à côté. Ouais, faut au moins viser dans la cible, sinon c'est vraiment là. Attends, ouais, je vous dis. Par contre, faites gaffe parce que ça peut ricocher sur vous. Ah, bah, je me cache. Va où, Myriam? Je me cache avec le gros ventre. Prêt? Ouais. C'est parti, Younes qui va tirer. Oh la puissance! Oh la puissance! On va aller voir. On va regarder. On va aller regarder où est-ce qu'il a tiré. Tirez là. Mais pourtant, promets que j'avais visé ici. En tout cas, je suis pas éliminé, alhamdoulilah. T'es sûr que tu veux tirer avec ça? Oui. T'as vu la puissance? Oh my god! Mets ton doigt comme ça, pas comme ça. Comme mets mon doigt comme ça? Comme ça, pas sur la détente, voilà. Les gars, c'est la première fois de ma vie, genre je vais tirer au paintball, mais par contre, Younes, fais attention, ça peut ricocher sur toi. Mais décale-toi, tu veux que je te tire dessus aussi? Non, mais vas-y, vise bien.
Non! Mais Myrène, t'as tiré au-dessus! Quoi, comment ça? Mais t'as tiré au-dessus dans le garage! Attends, je peux avoir un deuxième essai si t'es laissé des choses. Mais t'es vraiment nul! C'est grave! Regardez, elle a tiré où? Oh my god! Tout... Mais comment elle a pu rater de là à là? Mais c'est quoi ton secret? Mais je sais même pas! J'ai visé comme ça, genre pour moi, elle était à l'intérieur! Donc là, Myriam, vu que c'est le début de la vidéo, si tu utilises un joker, pendant toute la vidéo, tu vas devoir mettre ce gilet. Et ce gilet pèse 8 kilos! Ok, bon, vas-y, je mets ce gilet. Tu veux mettre le gilet? Ouais. Yes, c'est sûr, elle gagne pas la vidéo. Ah tiens, regarde ça. Mais ça va. Ouais, fais genre ça va pour l'instant. Par contre, là, tu rates, tu es éliminé définitivement de la vidéo. Oh my god. Ok, là c'est bon. Du coup, je pense que le gilet est pas mal. Non, non, tu le gardes pendant toute la vidéo. Ah. Garde toute la vidéo. Ah, c'était pas dans les contraintes, ça. Si, si, si. J'ai pas signé pour ça. Les amis, ça à mon tour, je suis en stress. J'ai pas envie de sortir tout de suite. Attendez, okay. Lui, par contre, non, c'est jamais lui, je me cache encore. Hein, pas trop. Yes. C'est pas donc, trop. Vous avez pas visé sur le truc rouge. Moi, j'ai visé sur le truc rouge. Regardez bien. Je me l'air. Je crois que c'est sur le truc rouge. Younes! Younes! En vrai, c'est moi je suis le plus proche, hein. C'est sur le truc noir là. Si, regardez, juste ici. Je suis le plus proche, donc c'est moi le plus fort de la famille à Fortnite. Voilà. À Fortnite? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Est-ce que tu vois une scar dans tes mains? Pour l'élimination, fais gaffe. Parce que sinon je peux devenir le conseil, on va t'éliminer. Est-ce que tu veux me tester? Là par contre, les gars, il commence à pleuvoir. C'est une dinguerie, mais je vais pas abandonner. Elle a un gilet par balle pendant toute la vidéo. Là, je vous dis, dans 10 minutes, elle est plus là. Et là, je pense que je vais. C'est à moi de proposer un défi. Forte à l'école en ce moment? Oui. On va te poser des questions. Ouais, si ça. Tu rates, hein, dégage. Ça, bah, vas-y. Dégage. Vas-y. Quelle est la capitale de la Norvège? Ouais. Helsinki, Oslo, Stockholm ou Copenhague? En vrai, je sais pas. Mais en vrai, j'aurais plus dit Oslo. Oslo? Je valide Oslo. Ok, Oslo. Validé. Ok! Plus que deux questions, les amis. Comment tu connais ça, toi? T'inquiète. Myriam, l'Eurostar, ouais. C'est un train. Oui. Est-ce qu'avec l'Eurostar, on peut aller de Londres à Amsterdam? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Avec ce. Ok, je vais mettre vrai. Mais comment est-ce? Wesh, t'as jamais pris le train de ta vie? Bah, c'est logique, le train peut aller d'une distance loin à une distance petite. Cappadoce est une ville du nom de Bodrum, mais c'est trop facile, on est allé en vacances. C'est grave facile, la Grèce, l'Italie, la Croatie ou la Turquie? Mais on est parti en vacances à Bodrum, en Turquie. Ok, je mets la Turquie, les gars, c'est un 3 sur 3 pour Myriam. Myriam est trop intelligente, c'est une dinguerie. C'est dire, je suis même la plus intelligente de la famille. Hein. J'ai mon bac en avance. 6 x 7? Ok, c'est ce que je me disais. 6 x 7, 42. Hé, Yassine, le gilet pare-balles, il me donne super soif. Tu peux... C'est ton problème. Attends, vas-y, tu peux m'aider en vrai, je pense qu'on va attraper la bouteille d'eau. Je vais attraper la bouteille d'eau là? Ouais. Mais elle est trop loin. T'inquiète. Mais comment on va faire? La roue, en vrai, ça compte la roue. Ok, vas-y, on va voir si ça va réussir. Okay. Vas-y, là, comment tu vas faire? Faut que tu me fasses une chaîne. Ok. Qui est? Oh, elle est trop forte. Elle a réussi à attraper l'eau. Elle a réussi à attraper l'eau. Bah, maintenant, comment je vais faire pour boire? Bah, il faut que tu ouvres la bouteille. Vas-y. Ok, comment tu peux boire? Attends, faut jamais boire debout. Faut toujours boire assis. J'avoue, elle a raison. Faut toujours boire assis. Ah, moi, les gars, pour boire, ma technique, c'est ça. J'ai une technique pour te faire abandonner. C'est quoi la technique? Arrête, non, pas ça, arrête. Myriam, arrête. Hey, Yassine, tu es sûr que si je lève la main, je suis plus grande que toi? Avec, en plus, avec mes baskets, vas-y. Vas-y, on essaye. Non, je suis plus grande que toi. Arrête. Il a lâché. Non, regarde mon pied. Mon pied, la sécurité. Je savais. Vous avez vu comment elle est? Est-ce que vous avez vu comment elle est? Je savais qu'elle allait me faire. Tu veux jouer à ça? C'est ça, tricheuse. On a plus le droit de faire ça, c'est de la triche. On a plus le droit de faire ça. A few moments later. Alors, là, je peux le faire peur dans 2-2. Dégage. Ah, je déteste ce bruit. Ah non, vas-y, arrête. Hey Younes, on va voir si t'es capable de démarrer la moto en moins de 30 secondes. Bien sûr, si tu perds, t'es éliminé. Non, normalement, là, je vais réussir. 1, 2, 3, 4, 5. C'est avec le froid, les gars, c'est dégueu. C'est que la pluie, ça va être grave dangereux. En plus, il a pas réussi. Oh, regardez, il a cassé la moto. Oh. Mais mec, t'abuses. J'utilise mon joker moi aussi. Ok, du coup tu vas devoir rester en maillot pendant toute la vidéo. Il pleut. Et alors, tu vas devoir te mettre en maillot. Toi ça, soit t'abandonnes. Bah t'enlèves ton maillot. Et les gars, c'est grave drôle. Je pourrais pas enlever ma manche. Bah... Ouais, vas-y, si tu veux, je t'aide, vas-y. Ok. De toute façon, il est mort. Ouais, je suis mort. Il est en maillot toute la vidéo du coup. Y'a pas de problème. On va passer au défi confort, les gars, le défi bouffe, on a tous faim, on a tous froid. Ouais. Je suis en maillot, donc là, regarde, le défi, il est simple. Là-bas, il y a 4 obstacles. Ouais. Le dernier qui fait tomber l'obstacle, il remporte un fast-food de son choix. Oh, ok, ça faisait quoi? Allez! Oh, un. Première balle, premier effet, et 1-0 pour moi. Ok, à moi. Attendez, il a bien dit, c'est le dernier qui fait tomber, donc en vrai, je m'en fiche. Allez, hop! En fiche, il en reste encore 2. Rien contre au défi. En fait, je crois que vous avez oublié, il y a qui en face de vous. Le boss de la famille qui est capable de dégommer 2 cibles en un essai. Pousse-toi, t'as pas le droit! Mais elle a pas le droit de faire ça! J'ai fait le carré, il va pas réussir. Voilà, ça c'est parce que j'ai fait le carré. Ah. Les gars, ils vont en faire tomber 1. Oui! Okay, let's go, il en reste que 1! Frère, reconnaisse vrai, mon gars! Mais du coup, c'est à moi, c'est bête! Les gars, un burger, mettez-vous le burger en tête et vous allez voir que j'ai gagné. Ouais!
Mais c'est pas possible. Oh, mais c'est plus fort aussi d'avoir des nouveaux habits. Wesh, les gars, c'est Naruto Shippuden. Wesh, ils ont mis de l'algérienne. Les gars, c'est la meilleure sauce. Oh les gars, un point avec du cordon bleu. Vous savez c'était qui prenait ça avant? C'était Younes et Yacine. Vous savez, c'est ça qui m'énerve dans les fast-food. Leur sauce, ça veut jamais s'ouvrir. Wesh, non. Pieds partout. Pieds partout. Par contre, attendez, j'avais commandé aussi samouraï. Elle est où la samouraï? Quand je vais dire, oh, j'ai fait un croc du futur. Les gars, je viens de découvrir, il n'y a pas que du cordon bleu. Regardez, venez voir, il y a un autre truc. Il y a deux steaks en plus. Les gars, nous, on avait les tacos, kebab, mais les anciens, ils avaient ça. Les gars, les anciens, ils se régalaient plus que nous. En plus, je suis sûre, c'est trois fois moins cher. À l'ancienne, en vrai, je pense c'est trois fois moins cher. Genre, tu prends ça, t'es calé en deux, c'est incroyable. Attendez, on prend la mayonnaise quand même. Tu sais, les anciens, ils mangeaient trop de la mayonnaise. C'était... Voilà, tu vois là, t'es pas un ancien si t'as pas connu ça. La combinaison steak cordon bleu frites algérienne mayonnaise, les gars, c'est vraiment un banger. Les gars, les anciens, ils avaient des meilleurs repas que nous. Testons la canette Naruto Shippuden go. Les gars, il a vraiment mis son pull par terre. Attendez, on va voir l'état. Wesh. Oh, le crado. Ah, moi, je laisse par terre. Là, t'as vu, t'as gagné de la bouffe, t'as bien mangé, c'était bon. Ouais. Viens, on élimine Yacine. Vas-y. Je te fais confiance. Vas-y, ok. Yacine, viens avec nous. On va faire un gainage. Sauf que je vais rajouter des poids sur ton dos. Tu sens pas bon de la bouffe. Désolé. Non, je rigolais. Mets-toi en gainage. On va commencer par lui rajouter, les gars, une petite boule de 8 kilos. Mais c'est lourd, kilo. Ah, tu sens bon de la bouffe, je rigolais. Oh là là. Yacine, récite-moi l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ouh, Younes, tu vas me tuer. Tu gagnes, tu veux quoi comme cadeau? Je sais pas, j'ai des défis durs comme ça. 1 hour later. C'est rare. Ouais. Et tu pues de la bouche, voilà. Ouais. Mais bon, vous croyez vraiment qu'il va abandonner pour des cadeaux? Mais malade, c'est le plus gros rat de la France. Là, il y aura vraiment un éliminé. Il va y avoir un défi. Younes et Myriam, je vais vous lancer un défi parce que vous m'avez torturé au gainage, d'accord? Okay. Vous allez devoir faire tout ce que je vous dis. Et celui qui perd est éliminé. Ok, vous êtes prêts? Yes. C'est parti. Je vais vous mettre à une jambe. Facile. Okay. Celui qui pose la deuxième jambe, il a perdu, hein, je précise. Ok, je pose pas la jambe. Vous allez devoir faire 10 sauts avec la jambe où vous êtes en appui là. C'est parti. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Ok, posez les deux pieds. Vous allez devoir, cette fois-ci, vous être en position de gainage des fesses. Non, gainage comme ça. Des fesses. Ah, ok. Voilà. Ah là, ça va brûler les cuisses. C'est à moi le cadeau. Le cadeau est à moi. Vous allez devoir lever un bras en même temps. Ah, ça va brûler les cuisses. Eh, rigole, c'est-à-dire c'est trop facile pour elle. Ok. Eh, mais elle a du poids sur le corps, j'avais oublié. Incroyable, les gars. Oh la pauvre. Vous allez devoir rester dans cette position et lever un pied. Wesh. Oh. Il va perdre. Je perds pas. Okay. Je vois de la musculation tous les jours pour rien. Il va perdre. Je perds pas. Vous allez devoir vous pousser avec votre main opposée. Le premier qui tombe, il perd. Dégage. C'est parti, le premier qui pose le pied, il perd. Laisse-le. Le premier qui pose le pied, il perd. Aïe. Défaite de Younes. Elle a triché, Yacine, elle était debout. C'est faux. Younes, le conseil a décidé de vous éliminer. Mais Yacine, elle m'a poussé par terre, je suis en dégueulasse. Aïe. Si, mais Myriam, normalement, si t'avais pas le droit de te mettre debout. La tribu a décidé de t'éliminer. Maintenant, on te demande de dégager. En vrai, Myriam, je te dis la vérité. Ouais. Ça sert à rien que tu gagnes. C'est très bien, c'est quoi le cadeau? Je te dis, c'est quoi le cadeau? C'est des cadeaux de garçon. Toi, t'es une fille. Ça sert à rien. Ça, c'est le cadeau de toi. Hey, c'est quoi ton gâteau de rêve? Ok, on va passer à la finale. Vous parlez trop, vous m'énervez. Vous allez devoir aussi obéir à tout ce que je dis. Ça va être un yes man. Le premier qui abandonne, il est éliminé. Oh. Sans décoller la main, vous devez toucher une roue, mais pas la même. Ok, vous devez toucher un frein. Un frein. J'ai touché. Non, c'est pas le frein, c'est l'embrayage. Non, c'est bon, ça compte. Commence pas à tricher, toi. Yacine, sans enlever vos mains, tu es le chat, tu dois toucher Myriam. Touché. Myriam, tu dois le retoucher. S'ils enlèvent leurs mains. Ok. Touché. C'est bon, c'est carré. Vous devez mettre votre main sur un 3. Vous avez 5 secondes pour trouver un autre 3. 5, 4, 3, c'est bon. Maintenant les gars, on va passer à la chaise musicale. Parce que là, vous voulez pas perdre, vous m'énervez. C'est moi qui vais chanter. Le premier qui s'assoit, il a gagné. Okay. Est-ce qu'on a le droit de décoller nos mains du truc ou pas? Là, vous pouvez décoller vos mains. Code Familia, c'est les boss de YouTube, ça doit être ça, ouais. Ok, Yacine veut gagner le cadeau. Il est pas beau, donc il va pas gagner. Alors Myriam, si elle gagne un cadeau, va prendre un fast-food tellement pour ce qu'il a mangé. Myriam a un gilet pare-balles. Et... C'est moi. C'est moi, le grand gagnant de cette vidéo. Et Yacine. Ouais.
Vous savez quoi? Regardez. Vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce que je vais faire là? Vous savez qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle fait? Wesh! Mais qu'est-ce que tu fais? Et ça soit par terre alors que c'est tout mouillé, mais espèce d'andouille. Mon cadeau! Bon, c'est bon, cette vidéo, arrête, faut être bon joueur, Myriam. Je veux mon cadeau, c'est quoi mon cadeau? J'ai été bon dans cette vidéo, maintenant je veux mon cadeau. Le CM, pareil, t'as trop le CM. Ah. Voilà, famille, on va commencer par le premier cadeau. On a un paquet vert comme ça. Cette fois-ci, je vais essayer de l'ouvrir en mode normal parce que à chaque fois, je l'ouvre en mode sauvage et c'est relou. C'est parti. Voilà, en mode normal. Le maillot de l'Angleterre de la nouvelle Euro 2024. Oh là là là. Je sais que t'aimais bien le foot, j'ai pas fait le mauvais joueur. Moi, maillot rouge. Bah, c'est l'Euro 2024. L'Espagne. Tu sais, je me suis dit quoi, Yacine? L'Espagne. Au moins, il y aura une équipe qui va gagner l'Euro et t'auras le maillot. Tu dis que t'es pour tout le monde. Et moi, mon autre cadeau, être riche. Myriam, s'il te plaît, arrête d'être riche. Faut être bon joueur, Myriam, donne-lui. Troisième maillot, on a quoi comme maillot? L'Allemagne, on a l'Allemagne. Regarde, si l'Allemagne, l'Espagne ou l'Angleterre y gagnent, t'es bien. Comme ça, je suis sûr d'avoir les maillots. Comme ça, t'es sûr d'avoir le maillot. Mais c'est pas fini. Regarde la boîte qui est à côté. De toute façon, je m'en fiche. En plus, il est grave stylé. Moi, je le voulais. Hey, tu vas me le racheter en taille enfant. Vous m'entendez? Ouais, je crois qu'il m'entend. Ok, on va ouvrir ça aussi. Ouvre-le en mode sauvage. Laisse-moi tranquille, c'est moi qui a gagné, c'est pas toi qui a gagné. Une boîte Nike. Oh là, qu'est-ce qu'il m'a? Des crampons ou des chaussures? Des crampons. Ok, la famille, je vais vous laisser découvrir avant moi. Ah, c'est caca. Oh, gamin, il a la dernière. Mais vu que c'est gros, c'est gros. Touche pas. Et nouvelle crampon Nike de l'Europa 2024. Est-ce que tu peux montrer le sac s'il est rose? Le sac, il est comme ça. Waouh, pour les filles. Et reviens. Je suis trop content d'avoir gagné, la famille. Mettez un like si vous êtes content pour moi. Abonnez-vous, moi je vous laisse là. Ciao. M'en fiche, je le garderai à vie.